L'étape du jour avait un goût de gueule de bois. Un réveil difficile après la fête, un repos qui n'en est pas vraiment un. Ce Giro 2023 n'a décidément pas fini de surprendre. Dimanche soir, quand le peloton se dirige vers une journée de repos bien méritée, le couperet tombe. Remco Evenepoel quitte définitivement la course. En cause, un ennemi tapis dans l'ombre que l'on aurait préféré oublier. Ouais, le Covid est de retour. En réalité, il n'était jamais vraiment parti. Sévissant par exemple sur le Tirreno Adriatico, le Tour de Romandie, puis s'attaquant dès le début du Giro à des coureurs qui n'avaient pas la primeur des caméras. Mais la malchance n'a que faire des palmarès. Et cette fois-ci, c'était au tour du maillot rose, grandissime favori de l'épreuve, de quitter la course. Maintenant, à la question de savoir si les protocoles mis en œuvre au sein de chaque formation ne sont pas un peu trop stricts, vous aurez compris depuis bien longtemps que la prise de risque n'est pas vraiment de la partie. Alors, place à la course, qui, elle, continue bel et bien d'avancer. À moins que les coureurs n'en décident autrement. Le début de la retransmission est étrange. Une atmosphère de contestation souffle sur le Tour d'Italie. On ne veut plus d'une journée galère sous la pluie. En cause, le parcours du jour, qui s'aventure au-delà des 1500 mètres. Là où la température peine à dépasser le zéro, où les risques de tempête et les routes détrempées qui accompagnent la descente inquiètent. Finalement, tout ce beau monde est parti. Du moins pour ceux qui restent. Parce qu'entre les chutes et les virus, les hommes encore sur le vélo sont des rescapés, ni plus ni moins. Je me souviens d'ailleurs de Thibaut Pinot annonçant être tombé malade et se réjouissant d'avoir devant lui une journée de repos et deux ou trois étapes tranquilles pour se remettre. Sauf que ce Tour d'Italie a une définition bien à lui de ce que doit être une étape de transition. Thibaut Pinot a sa voiture, avec la mine des mauvais jours. Là-bas, un peu plus loin, une moto dans le fossé. Ici, un homme qui tremble de froid. Puis, tout autour, le brouillard, la purée de pois en compagnon de route. Ça, c'était l'étape du jour. Trop dur pour Alexander Vlasov, qui s'arrêtera là, lui aussi. Bon, vous connaissez la recette depuis quelques jours maintenant. À conditions extrêmes, une seule raison subsiste, c'est à l'avant et bien seul, là-bas dans l'échappée, que l'on est le plus au chaud finalement. Alors ils sont partis. Quatre hommes, puis plus que trois, un peu plus loin. Derek G, déjà deuxième, derrière l'impressionnant Ben Healy. Alessandro De Marchi et ses espoirs brisés dans le dernier kilomètre napolitain. Puis Magnus Kort-Nielsen, la moustache venue du Nord, en mission pour intégrer le club des vainqueurs sur tous les grands tours. Ça, c'est un groupe aux arguments bien suffisants pour tenir le bras de fer avec le peloton. Et puis, qui de toute façon? Qui pour rouler tambour battant sous une pluie qui l'est tout autant? Pour les sprinteurs qui ont déjà dû batailler avec la pente, les équipiers se comptent malheureusement sur les doigts d'une main. Le peloton essayera, se rapprochant jusqu'à la limite du doute pour l'échapper. Mais derrière, à défaut de l'ordre, le chaos règne. Les espoirs et quelques os se heurtent au mur. Pour tous, la course est un exploit. Pour beaucoup, elle est une survie. L'échappée, elle, ira au bout, une fois de plus en réponse d'une stratégie qui vole en éclats sous la pluie. Quand un peloton perd le contrôle, un peu d'audace à l'avant est bien souvent synonyme de coup gagnant. Eux, que pouvaient-ils faire face à l'expérience d'un Kort-Nielsen qui rate bien rarement son coup? Sur Eurosport, des anciens professionnels invités tous les jours à parier sur le vainqueur de l'étape, un seul avait vu venir la victoire du Danois, un certain Jens Voigt, l'un des plus grands baroudeurs du début du siècle. Aujourd'hui était également son premier jour sur la moto, aux côtés des coureurs quand tous avaient la mine tirée vers le bas, face aux conditions climatiques qui ne cessent de s'acharner. Lui était tout sourire, comme un enfant aux côtés des stars. Alors, comme ce grand monsieur et son sourire si communicatif, je me réjouis de cette course qui n'a jamais été aussi ouverte, de ces occasions converties par ceux qui osent, de ces images de combat, de courage, de joie. Non, la course n'est pas morte, bien au contraire. Aujourd'hui, elle reprend ses droits.